me souviens, quand j'étais gosse, j'adorais être dans la nature et écouter des sons, ou en ville, et essayer de discerner d'où venait quoi, comment. Toujours été comme ça. Ça a toujours été un truc qui me... Le son, le truc... L'oreille, je trouve ça fabuleux, quoi. C'est un machin... C'est un machin... C'est béni, quoi, je veux dire. Donc ça, et alors, l'aspect technique, les appareils m'ont toujours aussi... intrigué et quelque part passionné. L'électronique, tout ça, je trouve que c'est... L'électricité, en général, c'est quelque chose que je trouve assez fabuleux, quoi. Fabuleux, donc... c'est vrai, quand j'étais gosse, je me souviens de mon premier enregistreur à cassette. Pour moi, ça a été une révélation. C'était un bonheur énorme, quoi. J'ai étonné mes parents pendant des mois pour en avoir un, quoi. Et puis, après, ça a été pareil, comme je faisais un peu des morceaux avec des copains et tout. C'est avoir le premier 4 pistes à cassette, puis les bancs, les trucs, et voilà, c'est parti de là, en fait, comme ça. Donc, même quand je faisais un peu de musique, je tenais souvent le rôle du mec qui avait l'enregistreur ou qui s'occupait de l'enregistreur. Enfin, tu vois, donc c'était naturel pour moi. Ce studio est ma caisse à outils de base. Et pour moi, c'est vraiment très très important de travailler donc dans le milieu du studio. C'est vrai que je fais plus de studio actuellement que de live, mais je tiens à toujours garder une part active au niveau live parce que ça m'apporte énormément, point de vue satisfaction. Et alors après, c'est très important vis-à-vis du boulot à proprement parler. Pour la simple et bonne raison que je dirais que ça entretient les réflexes. C'est-à-dire en studio, on est plus cool, on essaye, on revient, on parle, on s'arrête, on redémarre, on chipote. Et finalement, parfois, ça casse un peu les sessions quand c'est trop lent, tu vois. Donc en live, c'est toujours vite, 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 tout doit être très rapidement fait, vite arrivé, vite reparti, quoi, tu vois. Et donc, ça entretient vraiment ce réflexe de vite tourner les boutons, et ça permet de pousser aussi le musicien à une exécution rapide et parfois beaucoup plus spontanée. Ce qui est très chouette, par exemple, que j'aime bien faire, c'est réunir les musiciens et de faire un peu le one take. Donc, quelque part, leur faire, s'il y a 10 morceaux, eh bien, ils jouent les 10 morceaux à la queue leu-leu, boum, on enregistre tout. Et comme ça, on a la matière mise à brut. Vraiment, c'est même pas de démo, c'est vraiment mise à brut, comme ça, bouf, sur bande ou dans l'ordinateur. Et ça permet de bien capter le style du jeu des musiciens, un peu d'en ressortir une direction, savoir ce qu'on peut demander aussi aux musiciens ou pas, tu vois, soit vis-à-vis du timing, de la côté technicité du jeu, des choses comme ça. Parce que les démos, on a un peu un problème actuellement, c'est que grâce à la nouvelle technologie, donc des ordinateurs et tout, c'est un peu fini l'époque, c'est révolu l'époque où on utilisait un 4 pistes à cassette ou des choses comme ça pour faire sa petite démo. Ce qui était très bien parce que ça obligeait les musiciens à aller à l'essentiel. Il n'y a pas beaucoup de place, avec un son très brut, très pauvre et un peu médiocre, mais avec beaucoup de grains. Et souvent, on ressortait bien l'essence, la dorsale des morceaux, les choses importantes, l'intention y était. Maintenant, ils utilisent parfois des programmes très sophistiqués, des reasons et des machins comme ça, qui sont très performants. À la limite, tu as un truc, tu dis, bah, ça sonne, en effet, mais tu as plus de mal à aller. Tu dois fouiller pour trouver où est vraiment l'identité du morceau, tu vois. Je me bats un petit peu contre ce principe de dire, tiens, c'est un peu parfois... Il y a des gens qui ont ce mode de pensée de dire, tiens, les studios, c'est un peu révolu, on n'a plus vraiment besoin d'aller en studio. Il y a une très grande différence. Et disons qu'il faut y goûter. Mais aujourd'hui, faire un projet seul dans ta chambre, ça va être génial. Et le projet suivant, par contre, a besoin de 5 musiciens et d'être dans un studio avec un ingénieur du son, producteur, et utiliser toute une technologie plus complète, quoi, beaucoup plus large, un spectre sonore, rechercher autre chose dans le son, quoi, tu vois. Les deux doivent cohabiter.
tu vois. Et ben, moi, j'aime bien le côté brut et essayer parfois de faire des je ne vais pas dire des défauts, mais des petits accidents de tant sonores que musicaux, d'en faire parfois un atout, tu vois. Donc je suis toujours à la recherche de ça. C'est pour ça que je dis toujours, parfois j'ai des gens qui travaillent avec moi comme assistant ou stagiaire et qui, leur premier job, ils veulent souvent, c'est nettoyer. Ce terme nettoyer, je trouve, est approprié. Je ne l'aime pas parce que justement, jusqu'au dernier moment, je trouve qu'il faut garder tous les bruits de début, de fin, les attaques, les trucs un peu de travers. Et c'est quand ça passe vraiment pas qu'on commence à recaler les choses. Et il y a un côté, on ressent bien le côté, la nervosité, l'impact des sons quand on travaille comme ça. Ce qui est moins le cas quand c'est plus lisse. Mais bon, voilà, après, c'est une question de goût aussi. Hein. Il y a des gens qui aiment ça et des gens qui n'aiment pas ça. Mais bon, voilà, chacun fait un peu son caractère. Mais je ne travaille pas toujours tout dans ce sens-là non plus. Hein. Et voilà, j'adore faire trois takes, par exemple. Et comme on dit souvent, le deuxième, c'est le bon, ou le premier. Tu vois. Bon, alors après, ça, c'est pour les sections de base, naturellement. Après, il y a tout un travail d'overdub et de recherche, soit sur le son, soit sur des arrangements complémentaires, des choses comme ça, quoi, mais... Et surtout, être ingénieur du son et producteur, c'est se mettre au service de la musique, et puis de l'artiste, mais de son projet avant tout, tu vois. Et donc, il faut que ça leur plaise. Mais parfois, il y a des chemins, on contourne un peu, et parfois, ils ne voient pas toujours directement où on va. Donc, il faut les convaincre de voilà. Et puis parfois, il faut les rassurer tout le temps, bien entendu. Et parfois, il faut malheureusement un peu casser aussi, parce que pour pousser la machine plus loin, quoi, on ne peut pas toujours être d'accord. Il y a un moment, il faut être en effet assez catégorique et voilà. Mais je crois que ça peut se faire dans la douceur en général et dans la tranquillité. On n'a rien à prouver l'un à l'autre, tu vois. Ça, c'est une bonne relation. Tu vois, parfois les musiciens sont tendus, ou moi-même je peux l'être, parce qu'il y a des situations qui ne sont pas faciles à gérer, tu vois. Bon, on a cette partie technique à bien connaître pour pouvoir faire fonctionner un outil facilement, et qu'on oublie qu'on le fait fonctionner. Et surtout que les musiciens te sentent avec eux, et non pas coincé derrière ta vitre, ta table de mixage, tes boutons, tes câbles, tes appareils, et être tranché là derrière, se faire un fort, tu vois. C'est pas du tout ça. Il faut bien connaître la partie technique, l'outil avec lequel on travaille, pour justement oublier, après, quand tu le connais bien, que c'est un outil qui fonctionne bien, tu plugues, tu ouvres, tu tournes les boutons, t'as pas besoin de réfléchir, tu peux penser à autre chose, tu peux participer avec les musiciens, discuter. Mais bon, il n'y a pas de généralité, c'est au cas par cas. C'est certainement un job où je me surprends encore souvent à me dire « Ah, là, j'ai trouvé la combinaison fatale du préampli, du compresseur, du micro, de la couleur du câble et tout. Là, je vais faire 10 ans avec ça, je serai tranquille. » Et en fait, tu changes de projet, tu ressors ta botte secrète et bouf, ça ne marche pas. Mais ce qui est très bien, parce qu'au moins, tu te remets tout le temps en question, ça t'oblige à chercher autre chose, à être... oui, être toujours en activité, tu vois. Et le jour où ce sera plus comme ça, je change de métier, quoi, tu vois. Mais il faut... Un jour, tu fais des batteries avec 15 micros, et puis un jour, tu en fais avec 2. Et ça sonne tout aussi bien, voire mieux. Mon vrai salaire, c'est soit un concert, on me dit « Waouh, le son était chouette », moi, je suis heureux, tu vois. Ça me fait un plaisir énorme, quoi. Énorme, énorme. Bon, parfois, ça se voit pas parce que je suis très réservé, mais au fond de moi-même, oui, c'est vraiment... Ça, pour moi, c'est indispensable.